Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Salutare, dragi prieteni, am o surpriză pentru voi. Este în vizită la Europa FM o jurnalistă franceză cu mare reputație, redactor șef la o publicație de actualități care se numește Marian. Pentru cei care rămân până la sfârșit, o să vedeți, avem și explicația acestei denumiri. Și nu puteam rata ocazia să o aducem în studioul nostru și să o rugăm să ne lămurească cu privire la câteva chestiuni care se întâmplă în perioada asta în Franța și care ar putea să ne influențeze și pe noi în România, pentru că în Europa lucrurile sunt foarte conectate, presupun că am înțeles cu toții lucrurile acestea deja, așa că de acum putem spune că atunci când bate vântul mai tare la Paris, poate cine știe, ne așteaptă o furtună prin partea asta de lume. Natasha Polony, redactrice en chef, nu? Oui, directrice de la rédaction de Marianne. Directrice de la rédaction de Marianne, bienvenue à Europa FM. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Alors, des élections législatives en France cette dimanche, après ces élections, la coalition du centre du président Macron, ensemble, n'a pas réussi à sécuriser une majorité. Il lui manque plus de 40... Oui, 44 sièges. C'est significatif, ça. C'est énorme. Oui, et à gauche et à droite, il y a des formations politiques qui sont vues comme d'extrême ou au moins radicaux, avec deux leaders, M. Mélenchon et Mme Le Pen, qui ont un discours fortement, est-ce que je peux dire d'extrême, extrême droite, extrême gauche? Oui, même si il faudrait définir ensuite, mais en tout cas, il y a d'un côté, on va dire, une droite nationaliste avec une vision populiste du système politique, et de l'autre, une gauche radicale, très progressiste sur les questions de société et anti-système économique. Voilà, alors on a un centre affaibli et des extrêmes renforcés. Quelle est la suite? Impossible de savoir ce qui va se passer maintenant parce que la situation en France est totalement inédite. Alors ce qu'on peut, c'est comprendre pourquoi on en arrive là. Mais en fait, cette crise, parce que c'est une crise politique majeure, est le résultat d'abord de l'échec politique non seulement d'Emmanuel Macron, mais de tous les partis de gouvernement depuis 30 ans. C'est le résultat d'une évolution de la société française qui n'a pas été comprise par les élites. Et c'est le résultat d'une fracturation très dangereuse de la société. C'est-à-dire qu'en fait, ça traduit le fait que nous avons en France des blocs sociologiques qui se regardent et qui ne se comprennent plus. Donc, la France n'est plus une communauté politique unie. On a, pour le dire simplement, les plus riches, les plus favorisés, ceux pour qui tout va bien, les retraités, qui en France ont le patrimoine, qui votent Emmanuel Macron pour maintenir le système économique. Parce qu'il est à leur avantage et parce qu'ils ne veulent pas le chaos. On a les plus pauvres, la population rurale, et puis les actifs, c'est-à-dire les indépendants, les employés, qui votent Marine Le Pen et qui veulent à la fois que le système économique bouge, mais qui veulent de la sécurité et une lutte contre l'immigration illégale. Et on a de l'autre côté les petits fonctionnaires, les étudiants et les habitants des banlieues, donc plutôt immigrés, qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois que le système économique change, mais ils veulent aussi, pour certains, plus de communautarisme, plus de reconnaissance des identités, par exemple, des personnes immigrées. Et donc, tous ces gens-là ont des intérêts différents et ne se comprennent plus. Donc la question, c'est comment on gouverne un pays dont les gens n'ont pas l'impression de vivre dans la même société. Et politiquement, Emmanuel Macron va peut-être trouver une solution par des alliances, par une tactique politique. Mais ça ne résoudra pas le problème de fond. C'est effroyant. Oui, parce que la société française va mal. Nous avons eu en 2018 le phénomène des gilets jaunes, dont on a parlé dans le monde entier, parce que c'était quasiment une révolution. C'est-à-dire un mouvement venu vraiment du monde rural, de gens
qui ne gagnent pas leur vie, qui travaillent, mais qui ne gagnent pas suffisamment leur vie, et qui ont l'impression que le système ne les comprend pas. Au départ, il s'agissait d'un problème de taxe, une taxe sur le carburant, oui, pour dire on va sauver la planète, pour faire de l'écologie, on va taxer le carburant. Mais ces gens qui n'ont pas le choix, qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants, on dit d'abord c'est injuste. Pourquoi nous qui n'avons pas le choix devons payer alors que nous ne vivons pas dans des villes où il y a des métros, où on peut prendre le vélo. Et puis cette crise fiscale s'est transformée en une crise démocratique. C'est-à-dire que ces gens-là ont dit « Mais attendez, personne ne nous regarde, nous sommes des citoyens et personne ne nous écoute. Mmh. » Ça veut dire que ce système n'est plus une démocratie. Mais Natacha Polony, vous avez décrit probablement très bien les trois grands blocs qui ont des intérêts dans les élections. Mais la caractéristique des blocs sociologiques est que les membres de ces blocs se radicalisent. Mais voilà, en autre part, les élections en France ont toujours eu une forte participation au vote. Mais on donnait l'exemple ici en Roumanie où la participation est très basse. On disait voilà, en France ils vont voter, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire la même chose ici? Mais maintenant l'abstention était quoi, presque un record. 52%. Voilà. C'est un record. C'est aussi un désintérêt majeur, non? Alors, ce n'est pas un désintérêt. Il y a eu une étude qui a été faite sur les abstentionnistes, ceux qui ne votent pas. Donc, c'est très nouveau, c'est-à-dire que dans des élections aussi importantes que les élections législatives, c'est-à-dire on élit les gens qui vont voter les lois, c'est normalement fondamental. En effet, on a maintenant la moitié des Français qui ne vont pas voter. Et donc, cette étude qui a interrogé les différentes sortes d'abstentionnistes, a conclu que ce n'est pas du tout un désintérêt. C'est véritablement l'idée que les offres qui sont présentes ne correspondent pas à ce qu'attendent les gens. Parce qu'en fait, et ça s'explique, c'est-à-dire que une grande part du peuple français a l'impression que, en effet, le système économique tel qu'il est en place depuis 30 ou 40 ans a abouti à une désindustrialisation, a abouti donc à un chômage de masse, une paupérisation puisque les gens n'arrivent plus à vivre de leur travail. Donc ils veulent que ça change. Mais ils ne veulent pas du Front National, enfin du Rassemblement National, c'est son nouveau nom, qui est nationaliste et qui veut une identité française qui peut être pour certains xénophobe. Mais ils ne veulent pas non plus de la gauche extrême qui, en gros, n'est pas universaliste, qui explique que la police tue. Les Français veulent, pour leur majorité, au contraire, plus de sécurité. Donc, ils n'ont pas d'offres qui correspondent à ce qu'ils veulent. Donc, beaucoup s'abstiennent parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'ils votent, la politique qui est menée est la même. Et ça, c'est-à-dire que le danger, c'est qu'en fait, on dégoûte petit à petit les citoyens de la démocratie. L'exemple, le moment où ça a basculé et où l'abstention a commencé à augmenter, c'est... Alors, il y a le premier élément, on voit l'abstention qui augmente en 1993, un an après le traité de Maastricht. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont eu l'impression que, de toute façon, ça se jouait ailleurs, que leurs politiciens n'avaient plus le pouvoir. Et alors, l'augmentation encore plus forte, c'est 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen. Les Français ont été consultés. Ils ont voté non. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce traité parce qu'ils estimaient que ça retirait trop de possibilités pour les citoyens français de décider par eux-mêmes de leur destin. Ils ont voté non. 2 ans après, on a fait voter ce traité au Parlement. 90% des parlementaires ont voté oui à ce traité, alors que le peuple français avait dit non. Et ils l'ont vécu comme une trahison. Ils ont vécu ça comme la fin de la démocratie, puisqu'en gros, on ne tenait pas compte de la volonté du peuple. Et en fait, l'abstention, elle découle de tout ça. Le problème, c'est que cette abstention, ce sont les plus pauvres, en fait, qui arrêtent de voter. Donc, les plus pauvres ne défendent pas leur intérêt. Ils ont arrêté de se dire que ça pouvait changer leur vie. Donc, ce sont les classes
les plus favorisés, qui votent pour leur intérêt de classe, qui défendent le système qui leur convient. Et vous avez donc une société qui se fracture avec une colère contre les élites. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des décisions politiques d'importance nationale qu'on peut prendre sans un référendum? Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Le référendum occupe dans les institutions françaises une place très particulière. Parce que le général de Gaulle, qui a créé la Ve République en France, estimait qu'il fallait un pouvoir fort, mais un pouvoir qui vérifie en permanence sa légitimité auprès du peuple. Et quand le peuple n'était plus d'accord, le général de Gaulle estimait qu'il fallait démissionner. Ce qu'il a fait quand il a perdu un référendum en 1969, il a quitté le pouvoir. Hélas, ses successeurs n'ont pas exactement la même vision. Ils utilisent cette Ve République, cette constitution qui donne un pouvoir très fort, mais quand ils sont désavoués par les élections, par les référendums, ils restent en place. Ils profitent de la stabilité de ces institutions. Et c'est pour ça qu'on aboutit à la situation actuelle, c'est-à-dire que normalement, les institutions sont faites pour que le président de la République, quand il est élu, ait une majorité à l'Assemblée pour pouvoir mener sa politique. Donc nous avons un scrutin majoritaire qui amplifie la volonté des citoyens. Et le paradoxe là, des élections qui viennent de se dérouler, c'est que le peuple français, avec un scrutin majoritaire, n'a pas donné de majorité et a transformé ce scrutin majoritaire en une chambre ingouvernable, quasiment proportionnelle, où vous avez la représentation de ces blocs qui existent dans le pays. Ça force la coopération, non ? Alors, Est-ce qu'on peut avoir la coopération avec cette Assemblée ? Dans un pays qui serait habitué au compromis, à la coopération, qui aurait la culture des élections proportionnelles, ça forcerait la coopération et ce serait positif. La question, en France, est que nous n'avons pas cette culture-là. Et qu'en plus, il y a de telles tensions dans le pays que ces différents partis se sont fait élire sur des programmes de conflit, de confrontation avec les autres blocs, et n'ont donc aucune intention de négocier, d'abord parce qu'ils incarnent chacun une colère ou une peur. Et ils ne veulent pas négocier avec ceux qu'ils considèrent comme les responsables de cette colère ou de cette peur. Donc, Emmanuel Macron ne peut négocier qu'avec les restes des partis gouvernementaux qu'il a lui-même voulu détruire, le Parti socialiste et les Républicains, la gauche de gouvernement, la droite de gouvernement. Mais lui-même les a détruits en 2017, voulait les effacer, parce que sa théorie était qu'il fallait un bloc central qui incarne la raison face aux extrêmes. Il a voulu cette situation parce que ça permettait justement d'avoir un pouvoir extrêmement solide, puisque par définition, les gens sont raisonnables, ils ne veulent pas des extrêmes, donc tout le monde allait voter pour lui. Il a voulu en fait quelque chose qui ne permettait pas l'alternance. Vous pensez que ça c'est premièrement sa responsabilité maintenant ? Alors, il y a une part de responsabilité qui lui revient. Justement, cette vision qui consistait à dire « nous sommes le camp de la raison, tous les autres sont des extrêmes ». C'est-à-dire que dès que quelqu'un contestait la position qui était celle de son parti et la politique qu'il menait, il expliquait que c'était soit quelqu'un d'extrême-gauche, soit quelqu'un d'extrême-droite. Donc, il n'y a pas d'alternance possible dans un système comme celui-là. Ce qui est dangereux, parce que le principe de la démocratie, c'est l'alternance. Et c'est aussi, en partie, sa responsabilité, parce qu'il a eu une façon d'exercer le pouvoir très solitaire. Il a utilisé les institutions de la Ve République d'une façon qui, en fait, n'était pas tout à fait démocratique. On l'a vu notamment pendant la crise du Covid, où il gouvernait avec un conseil de défense, c'est-à-dire des gens non élus, qui, parce que c'était un conseil de défense, étaient tenus au secret. Donc en gros, personne ne savait ce qui se décidait. Et la politique ne se menait pas au Parlement. Nous avons eu une chose
similaire en Roumanie aussi, avec un conseil d'urgence. On ne savait pas qui étaient les membres. Il y a eu des discussions. Excusez-moi. Mais oui, mais je pense que c'est un principe qui, au départ, dans une crise comme celle-là, est un principe d'efficacité. Donc, ça peut s'expliquer. Oui, mais... Mais il faut rendre des comptes après. Ouais. Au bout de 2 ans, c'est un problème. Ouais. Et là, je pense qu'on a vu un pouvoir que les journalistes français appelaient le pouvoir de Jupiter, c'est-à-dire tout seul. Oui, mais Jupiter, ce n'est pas la démocratie. Et donc, ça se retourne contre lui. Voilà. Donc ça, il y a une part de responsabilité qui est la sienne. Mais après, il y a quelque chose de beaucoup plus large. Et qui, en fait, se joue depuis 30 ou 40 ans en France, c'est-à-dire depuis que la France voit la mondialisation autour d'elle détruire des emplois, détruire la possibilité pour les citoyens d'agir réellement sur leur mode de vie, sur la réalité économique. Et les élites françaises, en fait, ont renoncé à agir. C'est vrai, par exemple, pour les patrons des grandes entreprises. Il y a eu des ventes de grandes entreprises françaises, Alstom, Technip, c'est-à-dire vraiment des fleurons de l'industrie française qui réussissaient très bien. Et les grands patrons les ont vendus parce qu'ils n'avaient pas de patriotisme économique. Et les Français ont vu tout ça, ont vu des emplois détruits bêtement. Le cas d'Alstom, par exemple, qui est une entreprise spécialisée à la fois dans la fabrication de trains et dans le nucléaire, par exemple les turbines qui équipent les centrales nucléaires. Donc c'est une entreprise qui fonctionnait très très bien, qui gagnait de l'argent, mais son patron a vendu à General Electric, donc aux Américains, l'entreprise sans prévenir le gouvernement, qui finalement a accepté, et c'était Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie à l'époque, et qui a accepté cette vente, qui est une vente à la découpe, sous prétexte qu'on gardait la partie énergie et qu'on vendait le reste. Et en fait, c'est une perte d'indépendance nationale, puisque nous avons donc vendu les turbines de nos centrales nucléaires. Nous devenions dépendants. Ça a été un gros scandale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des accords qui permettent à des banques d'affaires de gagner beaucoup d'argent lors de ces fusions. General Electric, l'entreprise américaine, s'était engagée à créer des emplois. Finalement, elle en a détruit. Et le gouvernement français, là récemment, donc Emmanuel Macron, qui avait vendu Alstom, a été obligé de forcer EDF, donc entreprise d'électricité, à racheter les turbines des centrales nucléaires à General Electric. Donc vous voyez une perte financière. Et en fait, cette histoire-là, elle se répète dans beaucoup de domaines où la France n'a pas su préserver ses fleurons. C'est-à-dire que dans un monde globalisé, il est parfaitement normal que des entreprises se rachètent, se vendent. C'est tout à fait juste. Mais il y a des éléments qui relèvent de la souveraineté d'une nation, qui doivent en fait permettre à cette nation d'être indépendante. Les questions d'énergie, les questions d'alimentation, donc l'agro-industrie, il y a, on va dire, des entreprises qui doivent être gardées. Et chaque pays doit faire attention à préserver son indépendance et à construire des partenariats équilibrés avec les autres pays. Or, les élites françaises, pendant 30 ou 40 ans, ont considéré que la mondialisation, c'était le fait qu'il n'y avait plus de défense des États-nations. Il n'y avait plus besoin puisque tout ça était ringard. Les États-nations ne servaient à rien. Tout devait se penser au niveau mondial. Les Français ont d'ailleurs fourni beaucoup d'idéologues de cette mondialisation. Je pense à Pascal Lamy qui a dirigé l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et qui croyait profondément, et qui croit toujours d'ailleurs, au libre-échange généralisé, à ce qu'on appelle la division mondiale du travail, c'est-à-dire en gros, les emplois sont délocalisés en Chine ou ailleurs parce que ça coûte moins cher, et les entreprises ne vont plus avoir d'usines en Europe. C'était la théorie, nous avions un grand patron, le patron d'Alcatel, autre entreprise française florissante qui a été vendue et qui a disparu. Alcatel faisait des téléphones. Le patron d'Alcatel dans les années 1990 disait « Nous allons inventer l'entreprise sans usine ». Bon, moralité, on a créé du chômage de masse. Et
la situation politique française est la conséquence de cela. Quand vous regardez le capitalisme allemand, il est beaucoup plus patriote. C'est-à-dire que les capitalistes allemands ont conscience que d'abord, le capitalisme doit rester familial, qu'il faut défendre la continuité d'une entreprise et non pas financiariser l'économie. Les Français se sont lancés dans la financiarisation. Nous avons un secteur bancaire très puissant et ce secteur bancaire croit beaucoup à cette financiarisation. Et les élites françaises ont favorisé cela plutôt que l'industrie. Et donc, nous n'avons plus d'industrie. En Europe, nous sommes l'un des pays les plus désindustrialisés, le plus désindustrialisé avec la Grèce. Vous voyez ? C'est quand même désespérant. Mais vous avez parlé d'Allemagne. Mais il y a des particularités en Allemagne. Alors, là-bas, il y a des entreprises familiales, comme vous dites, mais il y a une culture des métiers qui est spécifique aux Allemands. Et aussi, là-bas, les syndicats allemands se considèrent des partenaires du gouvernement. Exactement. En France, enfin, les grèves en France, il y a des blagues avec les grèves en France. Oui, si c'est une culture nationale, la grève. Alors, c'est difficile de changer ça. Mais vous avez dit qu'il y a des entreprises économiques qu'on doit garder pour la souveraineté. Souveraineté. Souveraineté, merci madame la professeure, nationale. Alors, mais garder, ça signifie aussi prendre responsabilité, non? Oui. Vous voyez les gouvernements, les politiciens prendre responsabilité pour l'économie. Vous les voyez diriger l'économie? Non. Parce qu'on a eu des expériences ici, dans l'Est de l'Europe, et ça n'a pas fonctionné. Alors, l'idée n'est pas du tout que le politique gère le secteur économique. Je crois profondément à l'économie de marché, que les choses soient claires. En revanche, je crois qu'il y a des secteurs où l'État doit intervenir, ne serait-ce que pour investir, pour prévoir le temps long. Il faut une forme de planification. Nous avions cela dans les années 1960-1970, c'est-à-dire que ça a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et le général de Gaulle a mis ça en place de façon assez forte. C'est-à-dire l'idée que dans certains secteurs économiques, l'État allait investir pour permettre un développement qui allait préserver la puissance de la France. C'est ce qu'on a fait dans le nucléaire, c'est ce qu'on a fait dans l'aéronautique, c'est ce qu'on a fait dans le secteur de la téléphonie. Et tout ça a permis à la France d'être prospère. On n'a pas ça non. Encore. Alors, la campagne présidentielle de 2022 a permis de retrouver cette idée-là, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont parlé de planification, alors que pendant des années, c'était considéré comme une vieillerie. Mais on parle maintenant de planification écologique, c'est-à-dire pour transformer l'économie pour qu'elle devienne verte, l'État va investir de l'argent dans des secteurs qui vont permettre aux entreprises de changer leur façon de faire. Je pense que c'est une très bonne chose si c'est véritablement fait, si ça n'est pas un gadget. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je crois que la souveraineté doit se jouer à plusieurs échelons. C'est-à-dire qu'un pays doit préserver sa souveraineté. Le Covid nous a montré que si on n'était plus capable de fabriquer des masques, des respirateurs, si on dépend de la Chine pour ça, dès qu'il y a un problème, nous ne pouvons plus protéger les populations. Ça doit se faire à l'échelle d'une nation et à l'échelle de l'Europe. L'Europe doit défendre collectivement sa souveraineté, son indépendance dans certains domaines. Et là, on le voit avec l'énergie, la souveraineté européenne en matière énergétique est un enjeu majeur. Ça devrait être aussi un enjeu sur les questions d'armement. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe assure sa propre défense. Et c'est une chose qui n'est pas forcément partagée en Europe, cette idée-là. Mais l'Europe doit assurer sa propre défense parce qu'on voit bien que quand il y a une guerre sur le sol européen, si nous ne sommes pas décisionnaires, si nous ne participons pas aux discussions pour gérer cette sécurité, nous dépendons des autres. La volonté politique pour ça.
Et la France, c'est un exemple. Et l'Allemagne, c'est un exemple. Voilà les hésitations de M. Scholz à aider l'Ukraine. Revenons au résultat des élections. À gauche et à droite, il y a deux personnages, M. Mélenchon et Mme Le Pen, qui ont été accusés constamment des liaisons avec Moscou, non ? Et oui. quand on a eu l'annexion du Crimée, il y a quoi ? Il y a maintenant... En 2014. 2014. Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen ont considéré presque normal ça. Alors, comment avoir une défense? Et Monsieur Macron, écoutez, dites-moi ça. On comprend pas. Monsieur Macron insiste à téléphoner à Monsieur Poutine de temps en temps. Voilà. Il y a des gens qui disent, mais on n'a pas plus parlé avec Adolf Hitler après le commencement de la guerre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça tout le temps? Et il y a une chose qu'on comprend pas ici. Dans cette partie du monde, récemment, M. Macron a déclaré que quoi, on faudrait pas humilier la Russie. Mais c'est quoi ça? Alors, c'est, oui, comment, il faut. La Russie a invadé un pays. Comment, de quelle humiliation il y a? Il y a plusieurs choses. Voilà. Ça relève d'abord d'une lecture de l'histoire. Je pense que le terme humilier n'est pas le bon. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si on humilie la Russie ou pas, parce que là, on est dans l'ordre de la psychologie. Or, le problème n'est pas psychologique, le problème est géostratégique, politique. La question est de savoir comment on assure la sécurité des Européens. Et évidemment, la souveraineté des pays européens, c'est-à-dire la préservation de leurs frontières. L'Ukraine a droit à la préservation de ses frontières. Pour bien comprendre comment on en arrive à cette situation de guerre, il faut regarder la façon dont ça s'est passé depuis 20 ans et le fait qu'à aucun moment, il n'a été possible, malheureusement, de construire ce qu'on appelle une architecture de sécurité en Europe, dont les citoyens européens soient les principaux décisionnaires. C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe n'a pas réfléchi à ces questions de sécurité. Elle n'a pas compris que nous arrivions dans un monde dangereux où des empires se confrontaient. L'Union européenne a été faite comme une structure pour la paix dans un monde de marché ouvert. Nous sommes dans un monde de guerre et de blocs qui s'affrontent. Et l'Europe doit maintenant se penser comme un bloc qui va préserver ses intérêts. C'est ça la position française. Alors, là-dedans, oui. La volonté d'Emmanuel Macron... Non, ça signifie une Europe... plus forte, une Union européenne plus forte, oui. Fédérale, avec alors, une armée, pas forcément avec fédérale. Une politique étrangère coordonnée. Alors, c'est pas forcément fédéral, ça peut être une confédération d'États-nations, c'est-à-dire des États qui décident ensemble d'avoir les mêmes intérêts. On en est loin, parce que de fait, il n'y a pas la même vision de l'histoire entre l'Europe de l'Est, qui a vécu l'occupation par les soviétiques, qui a souffert de ça, et l'Europe de l'Ouest qui n'a peut-être pas conscience de ce que c'est que ce traumatisme. Et qui parfois, et je pense que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron ne devrait pas parler de la question de l'humiliation, qui parfois oublie ce qu'a été ce traumatisme pour toutes les populations d'Europe de l'Est. Donc il faut réussir à créer une vision commune de l'histoire. Pour l'instant, de fait, nous n'avons pas vécu les mêmes choses. Mais quand Emmanuel Macron appelle Vladimir Poutine, c'est parce qu'il veut se positionner en tant que président du Conseil de l'Europe momentané, hein, c'est la présidence tournante, il veut que l'Europe soit présente dans les négociations de paix. Pourquoi ? Parce que la comparaison avec Hitler qui est faite, elle pose problème pour différentes raisons. J'ai aucune tendresse pour Vladimir Poutine qui est une horreur, qui est monstrueux. Et ce qu'il fait en Ukraine est absolument épouvantable. Mais je ne crois pas qu'il faille en permanence comparer avec la Seconde Guerre mondiale parce que ça nous empêche de voir la situation actuelle. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'étaient pas dans la même position, les forces en Europe n'étaient pas les mêmes, et donc ça ne se joue pas de la même manière. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment on arrête cette guerre. Comment on fait en sorte de préserver la paix avec une Ukraine qui puisse préserver ses frontières? La question de la Crimée est complexe. Pourquoi? Parce que la Crimée n'est pas ukrainienne depuis très longtemps. C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine. Et le problème est que
cette guerre arrive après des années où l'Allemagne et la France avaient négocié les accords de Minsk. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés, ni par la Russie, ni par l'Ukraine. Et pendant des années, les États-Unis ont poussé l'Ukraine et la Géorgie à demander leur adhésion à l'OTAN, sachant très bien que pour la Russie, c'était inacceptable. À l'époque, en 2008, le président français Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, la chancelière allemande, ont refusé. Les États-Unis ont dit « on va faire entrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN ». Les Européens, enfin l'Allemagne et la France ont refusé. Pourquoi ? Parce que justement, elles sentaient que c'était une façon de créer un bloc qui était autour de l'OTAN, mais qui aurait été inféodé aux États-Unis, face au bloc russe, sans tenir compte du fait que les Européens devaient se préserver d'un risque de guerre. Et donc, eux avaient à vivre avec la Russie à côté. Ce qui n'est pas le cas des Américains. Vous savez, en 1962, quand il y a eu la crise des fusées de Cuba, entre Khrushchev et Kennedy, le général de Gaulle, à l'époque, avait une position, il voulait que la France soit indépendante. Il défendait donc une position non alignée de la France. Pas alignée sur les États-Unis, évidemment pas pro-soviétique, mais pas alignée sur les États-Unis. Et pourtant, il a été le premier à appeler Kennedy pour l'assurer du soutien de la France en cas de conflit. Pourquoi ? Parce que justement, nous sommes toujours dans le camp occidental, nous sommes opposés à toutes les dictatures. Mais c'est parce que nous étions indépendants que nous étions un allié de poids, un allié fiable qu'on pouvait écouter. Mmh. Emmanuel Macron essaye de préserver cela. Pourquoi ? Parce qu'il considère que si l'Europe n'est que un supplétif des États-Unis, alors l'Europe n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Dans le reste du monde, on considère que l'Europe n'existe pas. Ce sont les États-Unis qui décident. Et ça, c'est dangereux pour les citoyens européens. Alors, avec ses erreurs et ses maladresses, comme le mot humilié, la position française mais voilà, est celle-là. L'Union européenne ne peut pas prendre une décision parce que M. Orban de Budapest s'oppose. Alors, on doit voter à l'unanimité. On ne peut pas prendre des décisions comme ça. C'est tout le problème de l'Union européenne. C'est le fait qu'elle est entre le fédéralisme et la souveraineté des États. On n'a pas choisi. Mais pourquoi ? Parce que ce n'était pas politique. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous, personnellement ? Personnellement, je crois qu'il faut une confédération d'États-nations qui aille vers plus de cohésion, mais avec l'idée d'une union politique, d'une union qui défend son indépendance. C'est-à-dire que je veux plus d'Europe, mais pas une Europe dans laquelle on efface les différents pays. Une Europe où, au contraire, les différents pays existent. On a conscience qu'ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts, parce que c'est vrai, mais on met sur la table et on négocie et on débat. Or, là, on est dans un entre-deux. Et c'est ça qui fait que le Viktor Orban peut bloquer la situation. C'est parce qu'on lui dit à la fois... On va tout faire pour que tu puisses pas exister, pour effacer le fait que tu poses problème. Mais en même temps, on te laisse un droit de veto. Ça fonctionne pas. Il faut considérer que nous n'avons pas forcément la même vision sur les problèmes, qu'on a le droit. Je suis pas non plus une fanatique du régime de Viktor Orban qui ne respecte pas la liberté de la presse, etc. Je pense que c'est un problème majeur. Mais j'arrive à comprendre que des citoyens hongrois n'aient pas la même position que les citoyens français sur certains sujets. Donc, on discute. En regardant la nouvelle situation politique de France, de l'Assemblée nationale, vous voyez, avec un centre affaibli et ses extrêmes, vous anticipez un retrait de la France, un peu de retrait dans des structures euro-atlantiques, de l'Union européenne, de l'OTAN ? Non. Parce que, le bloc de la gauche et le bloc de la droite sont des critiques véhéments de l'OTAN et aussi de l'Union européenne. Ils vont avoir d'influence politique
Non, on peut pas gouverner sans collaboration avec eux, ou on va aux élections anticipées. Il y a un fort risque d'élections anticipées. Ce Parlement, cette Chambre ne tiendra pas 5 ans. Voilà. Ça, c'est clair. Mais attention, le bloc de Marine Le Pen et le bloc de Jean-Luc Mélenchon sont critiques sur l'Union européenne. Mais ils ont acté le fait que les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc, il y a une volonté de renégocier certaines choses. Mais je pense que partout en Europe, il y a une volonté de renégocier certains traités. La question, c'est de savoir pour faire quoi ? Pour quelle structure ? Même Emmanuel Macron dit qu'il faut renégocier certains traités. Vous voyez, par exemple, l'idée que l'Union européenne signe des traités de libre-échange avec le Canada, avec le Mercosur, sans consulter les citoyens, sans même de transparence sur les différents points qui sont négociés. C'est un problème. Il faut, me semble-t-il, empêcher ça parce qu'il faut que l'Europe devienne plus démocratique. Il faut qu'elle soit transparente pour les citoyens, que les citoyens aient l'impression que ce n'est pas une machine qui fonctionne toute seule. Donc, bien sûr qu'il y a un énorme problème, c'est que le Rassemblement national et la NUP, c'est-à-dire la Nouvelle Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon, disent qu'ils veulent... Ça vient d'où ? C'est quoi ça ? Nouvelle Union Populaire écologique et sociale. Okay. Ça signifie et donc, aussi NUP, non ? Non. NUP, ça signifie rien. Okay. Ça signifie rien. Voilà. Et on ne sait même pas comment on le prononce. NUP, NUPES, on ne sait pas. Parce qu'en anglais, on a NOPE. Oui, mais non, il n'y a pas de lien avec ça. Voilà. Ou peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Okay. Mais en revanche, c'est un problème. Les deux, en effet, enfin, en tout cas, Marine Le Pen, pendant la campagne présidentielle, disait qu'elle voulait sortir de l'OTAN. C'est une bêtise. Pourquoi ? Parce que je pense que la France n'aurait pas dû, avec Nicolas Sarkozy, revenir dans le commandement intégré de l'OTAN, que le général de Gaulle avait quitté. Mais une fois que c'est fait, je veux dire, il ne faut pas en ressortir maintenant. Il ne faut pas créer une crise. Et de toute façon, les militaires français ont conscience qu'ils ont besoin de l'OTAN pour avoir des renseignements, pour fonctionner. Ils ont besoin même du soutien américain. Nous n'avons plus une armée assez puissante pour nous passer de ça. C'est-à-dire que l'armée française est certes importante, mais les budgets ont baissé ces dernières années. Il faut être conscient de la réalité. Donc c'est une bêtise de dire qu'on va sortir de l'OTAN. C'est idiot. En revanche, la position d'Emmanuel Macron, qui consiste à dire « nous sommes dans l'OTAN, mais il faut développer une alliance de défense européenne parce que l'OTAN pose problème pour de nombreuses choses », me semble importante et intéressante. Pourquoi ? Dans l'OTAN, il y a la Turquie, par exemple. Quand vous avez la Turquie qui essaye d'empêcher la Grèce de contrôler son gaz... Nous avons M. Erdogan en Turquie. Oui. Oui, je suis bien d'accord. Oui. C'est Recep Erdogan. Mais vous voyez, est-ce qu'il fallait, par exemple, faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne ? La Turquie, c'est une immense culture. C'est l'Empire ottoman, c'est une civilisation. Mais est-ce que c'est une civilisation européenne ou c'est une civilisation voisine de l'Europe, avec laquelle nous avons des liens ? Je crois que cette question est... Oui, mais vous voyez... Du début, ça raconte, à vrai dire. Ça raconte quelque chose de l'avenir de l'Union européenne, parce que les États-Unis voulaient absolument que la Turquie rentre dans l'OTAN, rentre dans l'Union européenne. Oui. Je pense que si la Turquie rentrait dans l'Union européenne... Une union politique puissante serait beaucoup plus difficile, ne pourrait pas exister. Donc vous voyez, tout ça est lié, en fait. C'est intéressant d'être européen. Ça a été toujours. Bon, merci, Natacha. Une dernière question, un petit bonbon pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, un petit gâteau. Vous êtes directeur de la rédaction. Directrice de la rédaction de Marianne. Oui. Expliquer à nos spectateurs pourquoi Marianne, qui est Marianne et la signification. Vous avez un français vraiment impressionnant, donc ça n'est pas très grave de ne pas connaître le mot signification. La signification de ce personnage pour la culture française et pour la liberté. Marianne est l'incarnation, on va dire l'allégorie de la République. C'est-à-dire que elle est ce personnage féminin, c'est très intéressant, qui représente la République, c'est-à-dire les citoyens
assemblées qui luttent pour leur liberté. Et c'est, je trouve ça formidable que ce soit un personnage féminin, oui. La République. Et vous savez, il y a un tableau très célèbre d'Eugène Delacroix qui représente une barricade avec des différents personnages, par exemple cet enfant qui ressemble au personnage Gavroche. De Victor Hugo, Gavroche, et cette femme, un sein nu, le bonnet phrygien sur la tête et un fusil dans la main et qui mène les gens qui sont sur cette barricade. Et on appelle ce tableau « La liberté guidant le peuple ». Eh bien, Marianne, c'est elle. Et si notre journal s'appelle comme ça, c'est parce que celui qui l'a créé, Jean-François Cannes, qui est un très grand patron de presse français, voulait expliquer par là que ce journal ne serait ni de droite ni de gauche, qu'il n'allait pas défendre un camp contre un autre, mais qu'il allait défendre le bien commun, ce qui fait du bien à l'ensemble des citoyens. Et que, par exemple, il y a des bonnes idées dans chaque camp, de chaque côté, et que nous devions être capables de dire ce qui était bien de tous les côtés et de critiquer tous les camps politiques. Natacha Polony, merci beaucoup pour votre visite à Europa FM et pour toutes ces explications. J'espère qu'on va se rencontrer. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour cet entretien. Et vraiment, c'est un plaisir de découvrir la Roumanie, de découvrir Bucarest. Et ce n'est qu'une première. Non, et oui, je pense que ça aura des suites. C'est seulement votre première visite, alors. Voilà, ce n'est qu'un début. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.